Aujourd'hui, nous allons faire la recette de queveté. Alors, il va vous falloir de la viande hachée, une petite botte de persil, un oignon, du sel, du poivre. Et aujourd'hui, je vais mettre, bon, vous pouvez mettre du cumin, du paprika, ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vais mettre de la menthe séchée. J'ai haché mon persil avec l'oignon. Je vais le mélanger avec la viande. Je vais saler, poivrer et je vais mettre un peu de menthe séchée. Voilà, ça ira. Et je vais malaxer tout ça. Je vais faire des petites boulettes que je vais aplatir, voilà, comme ça, et je vais mettre sur un petit plat parce qu'elles vont passer à la friture. Dans une poêle, j'ai mis un petit peu d'huile, pas beaucoup, à peu près 2 cuillères à soupe. Je fais revenir mes boulettes donc de queveté, et moi j'y rajoute un petit peu d'oignon comme ça. Ça c'est facultatif, hein. C'est pour ceux qui aiment l'oignon par exemple. Et j'y rajoute un peu de persil pratiquement à la fin, hein. C'est juste pour la déco de la fin. Mes cafetés sont cuits, je vais les réserver et je vais m'occuper du riz pilaf parce que souvent, très souvent, on sert les cafetés avec du riz pilaf. Pour le riz pilaf, je vais préparer un petit peu de cheveux d'ange. Ce sont des pâtes très fines, les cheveux d'ange. Je mets dans mon plat. Alors, quand ça devient un petit peu translucide, je rajoute mon riz et je vais tourner pendant quelques minutes pour que le riz devienne lui aussi translucide. Mon riz a pris une coloration brune et à ce moment-là, je vais rajouter l'eau, à peu près un demi-litre, vous voyez, avec un bouillon cube à l'intérieur. Je vais saler, mais très peu, parce qu'il y a le bouillon cube de bœuf. Et je vais poivrer. Alors, j'ai rajouté l'eau avec le bouillon cube de bœuf. J'ai salé, poivré. Alors, ne salez pas trop, parce qu'avec le bouillon cube de bœuf, ça donne toujours un peu plus de sel. Et puis, je vais attendre le temps de cuisson qu'il y a indiqué sur le paquet de riz. Au bout de 10 minutes, mon riz est cuit. Je vois qu'il n'y a pratiquement plus d'eau. À ce moment-là, j'éteins mon feu. Et je vais y mettre une serviette. Voilà. Et le couvercle. Et je vais attendre avant de servir un quart d'heure à peu près. Mon riz pilaf est cuit. Je vais y déposer mes queuvetés sur le dessus du plat.